Bonsoir. Donc, j'ai pas attendu mercredi pour vous faire votre première vidéo concernant de comment on va travailler maintenant grâce à Google Colab. Donc, pour Google Colab, vous y allez, Google Colab, hein, vous faites un search. Vous n'aurez pas besoin à chaque fois de faire le search, hein, je vous donnerai les liens directement. Et en fait, Google Colab, c'est ce lien qui est là, colab-research-google.com. Ici, ça va vous permettre d'avoir un notebook, c'est-à-dire une machine virtuelle dans le cloud de Google qui permet d'avoir une version Ubuntu, en fait, où il y a déjà installé Python et un notebook. Le notebook, c'est la capacité de programmer en Python directement dans le browser. Vous écrivez du code dans les cellules et vous pouvez exécuter le code directement dans les cellules. Et vous pouvez même utiliser la machine virtuelle Ubuntu directement là-bas. Bon, c'est pas tout à fait, il n'y a pas un shell, mais vous pouvez installer des choses, vous pouvez lire des fichiers, vous pouvez sauver des fichiers. C'est ce qu'on va utiliser régulièrement. Donc si vous voulez, la première fois que vous rentrez, vous pouvez faire cancel. Et vous pourrez voir l'introduction que fait Python, que fait Google de son Google Collaborator. Je vous invite à vous amuser, à regarder un peu rapidement tout ce que vous pouvez faire avec Google Collab. Et vous voyez, on pourra même, parce que ça c'est intéressant, hein, quand on va faire du traitement avec Spark, etc. Faire nos visualisations directement et ce genre de page qu'on fait dans Google Colab, on pourra en faire un PDF, on pourra en faire un document, etc. Donc on pourra faire du Big Data Analytics ou de l'analyse de données, pas nécessairement Big Data, et on pourra formater notre document, tout le texte qui est là. Je vous apprendrai aussi à le faire. Et vous avez vu, on peut même mettre des formules mathématiques. Hein. Et voilà. Ça, c'est Google Colab. Donc, rien à installer, vous allez sur le lien. Deuxième chose, donc moi, on va utiliser, par exemple, on aura besoin d'utiliser MongoDB. J'utiliserai le plus souvent MongoDB parce que j'ai pu trouver une version du cluster MongoDB. Donc, c'est bien un cluster. Plusieurs machines qui vont travailler ensemble dans le concept NoSQL et c'est gratuit. C'est ça le plus important. Mais on ne pourra pas mettre beaucoup de données, hein, 512 mégas, mais pour nos exemples, pour nos tests, c'est largement suffisant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les exemples qu'on a faits, c'est à propos des films et des artistes qui jouent. Qui seront soit directeurs, soit acteurs dans le film. Je vais, dans cette première vidéo, juste vous dire de créer votre compte dans le cloud MongoDB. Donc, je vais y aller, hein, ici, cloud MongoDB. Je vais vous faire un devoir comme quoi vous devez créer le compte, puis c'est tout. Et je vous ferai une prochaine vidéo quand vous aurez tous créé le compte. Donc, vous arrivez sur cette page et tout simplement faites Start Free. Vous faites Start Free. Et il faut créer un compte. Ben, créer un compte d'une manière très facile en faisant Sign Up with Google. Et vous utiliserez votre email ISAE-EDULB. Vous faites Sign Up with Google. Vous choisissez le compte avec lequel vous voulez faire Sign Up. Par exemple, je veux faire Cycle C informatique. Donc ici, vous dites que vous acceptez la licence. Pas tout à fait la licence, les Terms of Service.
Il est en train de créer le compte et le cluster carrément, hein. Par exemple, ensuite, vous arrivez sur cette page, vous donnez une organisation, vous appelez ça ce que vous voulez. Moi, je l'avais appelé NFE 204. Bon, je l'ai déjà appelé comme ça, donc vous ne pourrez pas tous l'appeler comme ça. Je vais faire point NFE 204. Point 1, peu importe, hein. Et un nom de projet, donc vous pouvez l'appeler Pascal, votre prénom, peu importe, quelque chose comme ça. Et vous lui dites quel est votre langage préféré. Ben, moi, c'est Python, parce qu'on va travailler ensemble en Python. Vous pouvez choisir les autres, mais vous remarquez que de base, hein, quand on travaille dans le cloud avec MongoDB et des choses comme ça, c'est plutôt les langages qui sont devant vous, là, qui sont les plus utilisés. Donc, nous, on utilisera Python, c'est le plus simple pour nous tous et pour beaucoup d'utilisations, que ce soit en machine learning ou en big data ou pour utiliser Spark, etc. C'est quand même le plus pratique, le plus commun à tous, c'est Python. Donc je continue. Et là, il vous propose trois possibilités, soit un cluster multi-région, et comme tout le cloud en général, vous payez à l'heure, hein, d'utilisation. Ce n'est pas très cher l'heure, hein, 8 centimes licence sert, hein, ma kthir. إذا استعملته كل الشهر بيطلع 56 دولار بالشهر، بس إذا استعملته ساعة بالنهار وطفيته، vous ne payez qu'une petite somme. À quel point vous n'allez rien payer du tout, vous allez prendre le Create Cluster Free. Vous le faites. Ensuite, vous choisissez l'endroit où vous voulez créer votre cluster. C'est dans un data center quelque part. Et donc, je choisis moi Google Cloud, puisqu'on est déjà dans Google, et j'ai choisi la Belgique, c'est le plus proche du Liban. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein. Et voilà, donc ce qu'on obtiendra avec la version gratuite, c'est un sandbox de 512 de RAM, le MongoDB de version 4.2, sans backup, c'est gratuit, et un cluster name qui est cluster 0. Et vous créez votre cluster. Voilà, donc maintenant j'ai un cluster. Il a été initialisé. Et ici, il vous dit, ben voilà, faites toutes ces étapes. Donc première étape, il faut créer peut-être un premier utilisateur et on en aura besoin pour le connecter sur le cluster. Donc je commence par créer un utilisateur. Voilà, Database Access ici. Voilà, j'ajoute, hein, Database Access, Add New Database User et vous choisissez l'option avec Password. On verra plus tard qu'on pourra aussi utiliser avec un certificat. Hein, le certificat, on verra comment on l'utilise, un peu comme dans SSH, clé publique, clé privée. Pour le moment, faites votre certificat NFE par exemple 204 comme utilisateur et comme mot de passe NFE 204, c'est le plus simple. Voilà, vous pouvez faire chaud pour vous assurer. Que peut-il faire cet utilisateur? Bien sûr, il faut mettre read and write to any database parce qu'on pourra, vous aurez besoin pour nos démos et pour nos TP de créer des bases de données, de lire les données, etc. Et puis c'est tout. Je crée mon utilisateur. Le voilà. Donc j'ai créé mon utilisateur dans le cluster NFE, dans l'entreprise NFE 204.1, le cluster Pascal, etc. OK? Une fois que c'est créé, on a presque fini. D'où maintenant. J'ai créé un cluster pour le sécuriser. Où est-ce que je peux l'accéder? Depuis où je peux l'accéder? Depuis
des machines. Les machines, elles ont des adresses IP. Donc, on va faire un whitelist des adresses IP. Mais comment on va utiliser Google Colab, on ne connaît pas vraiment quelle sera l'adresse IP. Donc, vous allez voir ce qu'on va faire. Je vais ajouter une adresse IP. Et là, vous mettrez Allow Access from Anywhere. Bien sûr, si c'était un vrai projet, vous ne ferez pas ça. Si c'était un vrai projet, vous mettez la liste des adresses IP de votre entreprise. Vous ne mettrez pas toutes les IP du monde, hein. Ici, n'importe qui pourrait rentrer s'il connaît votre mot de passe. Voilà, vous mettez un commentaire si vous voulez. Sinon, je confirme. Donc, on peut accéder à mon cluster depuis toutes les adresses IP. D'accord? Il faut attendre bon, le temps que le cluster ça. Et on pourra, si vous souhaitez, charger déjà des données. On ne va pas le faire tout de suite. On va le faire nous directement depuis Google Colab. هون ما بنعمل شيء بهاي هلا عم بيخلق الكلستر بده وقت تينخلق ايه دو اون 3 مينوت تا يكون انخلق بهالوقت تقريبا خلصنا بدنا هسه اون بتيت شوز جو اتوندر كو مون كلستر سو تيرمين او جو مونتر ان اوتر كلستر بور نو با اتوندر ترو لونتون. Donc là, au bout d'un moment, le cluster va être créé. Là, je suis allé sur un autre. Hein. Je suis allé sur un autre cluster que j'ai déjà créé tout à l'heure, avec un autre mot de passe et un autre utilisateur. Et ici, dans les projets, j'avais créé l'entreprise NFE204 Tam Liban. Le projet, je l'ai appelé Collab. Et donc, quand votre cluster est prêt, vous aurez ce genre de choses. On va voir ça tout à l'heure. Donc, vous rentrez dans le cluster ici, par exemple, vous allez dire, je veux aller voir les lignes de commande. Donc, la première chose que vous utiliserez quand votre cluster sera créé, c'est d'aller voir dans Command Line Tools pour qu'on puisse les utiliser ensuite dans Google Colab. Donc, Command Line Tools, vous arrivez ici. Et on va faire connect to your cluster. يعني نحن بدنا نستخدم الكلاستر هلا من بايثون. من بايثون يعني من جوجل كولاب. دونك هون connection instruction. Vous arrivez à cet écran et vous dites I wish to connect from my application. Vous faites connect from my application. Python, quelle version on va utiliser, c'est la 3.4. D'accord? Donc, dans la vous utilisez 3.4, pas une autre. Tout au terto, elle commande pour vous connecter à la cluster. Donc, tableau la copie. Ou bien, Google Colab, à un moment donné, je fais les tests avec MongoDB ici. Donc, ce que j'ai mis ici, c'est pour moi. Vous, ce que vous aurez à faire, c'est à remplacer cette case, par exemple, on verra ça plus tard, hein, quand on y viendra, avec ce que je viens de copier. D'accord? OK? بس كلكم توصلوا لهون ببقى بعملكم لا بروشين فيديو ناطر منكم تقولوا لي كلكم او اغلبيتكم اكثر من خمسة على القليله انه وصلتوا لهون تا اعملكم لا بروشين فيديو اون اي داكور علي فات لو سو سوار ما تعلمنا ارتحتوا فينا نعملهم الليله وهيك بعملكم دي دومان لا بروشين فيديو بلو فوز ات ديناميك بلو جو سري ديناميك. C'est un deal. Yalla, bye.